entraîne-toi jusqu'à ce qu'ils doutent de toi. Ah, ce qu'on va faire là, ils s'entraînent pas et en plus on doute d'eux, frère. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des coups. Aujourd'hui, on va peut-être se faire des ennemis. On va s'en faire. Non, on va pas s'en faire. C'est sûr, il y en a qui vont pas être contents. On va juste dire des vérités. Oh, il y en a un, je le vois, là, je suis pressé. Non, donc c'est simple, ce qu'on trouve sur YouTube en ce moment, c'est est-ce que lui, il est dopé? Je te fais une vidéo de 15 minutes pour te dire oui ou non. Est-ce que lui, il est dopé? Je te fais encore une vidéo de 15 minutes pour te dire si oui ou non. Les gars, aujourd'hui, vos influenceurs préférés ou non, on va les mettre dans cette vidéo et on va vous dire. On va donner notre avis. Ça sera notre avis. C'est notre avis, évidemment. Depuis que le Fit Game existe, on regarde. On a vu l'évolution, on connaît les personnages. Donc, on va vous donner notre avis. Je pense qu'il est fiable à 70%, comme entraînement, diète. On va mettre ceux qu'on connaît principalement, à ceux qui ne disent pas grand chose. Toujours ceux au-delà de 10 000 abonnés. Et si vous pensez qu'on se trompe, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous faites partie de cette liste, on est toujours ouvert à des fits éventuels, évidemment. C'est voilà. Pas parce que. Parce que nous, on est Fitness Fusion, donc fit avant. Et chargé, pas chargé, j'en ai rien à foutre. Voilà. Sauf si t'es pas au dé. Ouais, oui, naturel. Naturel, quoi. Naturel, quoi. Naturel, quoi. Naturel, quoi. Naturel, quoi. Oui. Naturel, quoi. Naturel, quoi. Naturel. On va commencer, on les a sous les yeux et on va commencer avec Solid Mike. Bon, ça va aller très vite, hein, les gars. Ouais, au moins, vous allez avoir votre réponse. Naturel. Solid Mike. Naturel, 100%. Bien sûr. Si on me dit chargé, je serais déçu. Esthétique, en photo, il rend très bien parce qu'il a des bonnes insertions. Gros pectoraux. Hein. Mais il est souvent congestionné sous une bonne lumière. En vrai, on l'a vu, les gars. Vous pouvez lui faire confiance. 100% Nati, honnête. 100% natif. Coach diplômé. Enzo Voudra, naturel? Bah non. Oui. Voilà, vous avez votre réponse. Bon, sûr que non, on il va est pas la naturel. Dire clairement, parce que évidemment. Peut-être des gens qui connaissent pas. Il est chargé à 600%, frère. Il envoie des dingueries, voilà. C'est sûr. Voilà. Et je pense qu'il a jamais vraiment pu le dire parce qu'il a été flic avant et peut-être que rien dans à son voir. Entourage, il y a des flics et tu vois. Non, mais. Non. Ça, c'est du bullshit, gros. C'est ça, juste des gens qui vont mentir. À son job. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Voilà, t'as compris. La malhonnêteté, c'est tout. Arthur Moza. Nachi. Nachi. Et bien en plus, sûr. Bonne génétique parce qu'il s'entraîne vite pas fait. Beaucoup en salle vite fait et ah. Il a un très bon physique. Et je crois qu'il se considère plus vraiment comme un. Un go muscu, non. Un gars du fit game, voilà. Mais en tout cas. Très bonne chaîne YouTube, j'aime bien ses vidéos. Il fait son sport quotidien, il a une bonne génétique quand même. Il fait pas trop attention à ce qu'il mange et il y a des super résultats, donc vous pouvez y arriver aussi. Marvel Fitness. Marvel Fitness. C'est de la musculation, lui. Chargé de communication. Voilà. Non, pas non, du tout. Naturel. Nachi, sûr. Sûr et certain qu'il est Nachi. Et très bonne génétique pour quelqu'un de très grand. Très bonne génétique de face. Ah, de dos, c'est fini, il n'y a plus personne. Frérot, travaille le dos. Pourtant, il fait beaucoup de traction. Ouais, mais là, il est reparti en salle, je pense que c'était ça qui lui manquait. Ouais. Là, il à un moment, il avait un bon dos. Tout ce qui est poulier, tout, t'as vu, t'as pas dehors, t'as pas envie de vraiment c'est le vrai. Faire. Là, il va se buter, il va sortir ses programmes bientôt. Et je pense que ça va le faire. Donc, les gars, on le met pas. Fitness, hein, si vous voulez des programmes, les nôtres, ils sont meilleurs parce qu'ils sont personnalisés. Sur lui, tu peux le skip. Lui, tu peux le skip, c'est pas Fit Game. Oh, mais fais ta pub. Non, lui, tu peux le skip, c'est pas Fit Game. Mais tu veux pas faire la pub? T'es déjà en train de le faire, frère. J'en ai vu des forceurs, hein, mais alors toi, frère. Non, moi, je veux rentrer chez eux, dans le portefeuille. Il prend l'argent, il demande même pas l'avis. Il dit, ah, mais si. Eric Flag. Naturel. Naturel, les gars. Excellente génétique en plus. Ouais. Pour quelqu'un qui fait du poids de corps, excellent physique. Il va quand même en salle, hein. Surtout de temps en temps pour faire les cuisses. Pas de doute à avoir sur lui. Jean-Monche. Il a touché, il touchera et il et ce qui est bien, c'est qu'il l'a dit. Il après, l'a dit, donc il l'a peut-être problème. Pas dit au bon moment. Peut-être qu'il était pour dedans. Sa compétition, il a dit qu'il a pas touché, mais le physique qu'il avait affiché, pour moi, il a touché encore. Pour mais la sèche, tout après, moins. C'est notre avis. Hein, mais c'est mon avis. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il l'a dit peut-être plusieurs années plus tard, mais il l'a bien quand sûr. Même avoué. Idriss de Manga Workout. Lui, c'est dingue. Lui, il m'impressionne. Sacré shape. Gros, je le vois sur Twitter pourtant. Il s'entraîne en salle. Hein. Mais dans le film, on n'entend pas trop parler, j'ai l'impression. Non, parce qu'il est dans un autre délire, lui. Mais ses vidéos, elles sont énormes. Là, il fait des vidéos où il fait des épées et tout, ce malade. Et du physique en même temps. Et son physique, et ses incroyable. Pères, gros, c'est n'importe quoi. Lui, c'est vraiment. Idriss, si tu passes quand par tu là, veux, tu nous invites, on vient. Voilà. On prend le billet, on est là le lendemain. Incroyable. Je crois qu'il y a un bench à 180, lui ou pas. T'es un ouf, toi ou quoi? 160? Non, moins que 100. Non, gros. 170 en décliné. Hey, on parle de décliné, on parle ah, pas de bench. C'était hein, du pareil. Décliné, il n'y a pas d'escroc ici. Hein. C'est vrai. Mais gros, costaud. Il est costaud, très il est costaud. Costaud. Très fort. Raphaël Cuesta. Raphaël Cuesta. Elle est ma physique préférée du Fit Game. Moi, je dis Nachi. Nachi. Sa compétition, pour moi, Nachi. Elle a mis un doute à tout le monde, mais il n'a pas gagné. Il n'était pas sexy, hein, sa compète. Hein. Et voilà. Et, ah, écorché. Hein. Et je pense qu'en vrai, on l'aurait vu. Il était vu, propre. On l'aurait trouvé maigre. On l'aurait trouvé maigre. Tu on vois. Est d'accord. Parce qu'en vidéo, les gars, ça rend toujours bien. Mais moi, je pense vraiment que ce mec-là, il est Nachi. Pour moi, il est Nachi. Après, il y aura toujours des mecs qui savent pas s'entraîner. Pour moi, il est Nachi. Il est trapu, petit, un peu comme moi, et des grosses cuisses. Pour moi, il est Nachi. Non, c'est sûr. Mais comme je disais, il y a des mecs frustrés qui vont dire que lui, il est dopé. C'est comme
comme ça. Alors que non, les gars, ça, vous pouvez le faire aussi. Jean-Haul, musculation. Il n'y a pas de doute, hein, Nati, aucun problème. Antifragile, tu connais. Antifragile, team de... Dedans, plein dedans. Ils sont costauds, ils sont costauds. On va se faire frapper, mais... On va le dire quand même. Ils sont chargés. Ils sont chargés. Suivant. Rudy Koya. Nati, il le prend à son. Pour moi, il est Nati. Ah, moi, je suis sûr aussi. Pas sûr, on peut jamais être sûr, mais. Il a des points faibles, il met un bon physique. Il y a des... Non, pour moi, il est Nati. Ça fait des années son physique. Il bouge pas du tout, le mec. Après, dans sa team, sûrement qu'il y a des chargés. Chez Super Physique, il y a du chargé. Voilà, on en parlera après. Parce que c'est des teams de passionnés. Nati. C'est pas forcément parce que lui, il est entouré que forcément il. Regarde, nous, on a bien des connaissances, elles sont dedans, pourtant on touche pas. On connaît des gens, ils sont dedans, pourtant on touche pas. C'est pas parce que t'es entouré que. Tu veux vraiment balancer des petites piques comme ça? Ouais. From Human to God, Nati. Le mec a jamais réussi à avoir de six-pack, séché énormément. Ses perfs sont pas incroyables. T'es un fou. Une force de titan. Hein. Wesh, il fait 140 au développé couché. Eh, aux haltères, t'as vu combien il prend les 60 lui, hein? Non, mais 1RM développé couché. Non, mais c'est pas que je au RM. Je fais 70 kilos, il y a ma 1RM. Oui. Sauf que lui, les haltères de 60, il joue avec au couché. Toi, tu joues pas avec les 60 au couché, gros. Tu m'as non, fait de t'as pas fait 12 rêves. J'ai pris les 70, tu l'as vu ou pas? Bah oui, je l'ai vu justement. Je me demandais si j'allais curler avec. Elles sont pas montées. Non, il a de la force. Allez il a voir la force, ça si vous l'avez pas vu. Hein. Le fit avec Bazinga, c'était incroyable. Kurnaz Nati. Kurnaz Nati, je suis d'accord. Quaglierini, bah, il l'a dit lui-même. Très bon athlète, excellent. Il est pro, donc c'est normal. Il est honnête là-dessus. Ouais, juste. Il est totalement honnête. Il dit pas en fait. Ouais, mais on n'est pas con. Il laisse clairement penser qu'il est dedans. Et bien sûr. On le sait de toute façon. Thibaut Inshape. Nati. Excellent physique d'ailleurs. Nati. Lui, il s'entraîne. En ce moment, un très bon physique. Ouais, depuis qu'il fait du crossfit, gros, c'est n'importe quoi. Quand il faisait de la muscu, pour moi, c'était un gros muscu, tu vois. Là, c'est vraiment un athlète. Ah, là, il est bien. Et après, il y a eu des screens sur Facebook qui sont sortis. Comme quoi, à l'époque il y avait... et tout, mais. Je pense qu'il a essayé de faire un pas et il a fait marche arrière. Peut-être qu'il a pris une fois, mais il n'a jamais recommencé. Et peut-être qu'il n'a même pas commandé. C'est ça. Juste il s'y intéressait. Ensuite. Aline Dessine. Non. On skip, c'est bon. Alex Levent. Les gars, c'est parce qu'on a une tier list devant nous. Non, Alex Levent. Alex Levent. Si tu t'es trompé, t'as dit parce que t'as glissé. Alex Levent. Naturel. Il n'y a même pas besoin de s'éterniser, Nati. On va plutôt s'éterniser sur le prochain, gros. Avoir ce sur physique. Le prochain, là. Alors lui. Alors toi. On t'aime bien. C'est pas franchement, t'es super gentil. Ouais, voilà, je me suis régalé. On s'est régalé. On parle de Maître K. C'est une très bonne personne, très gentil. Mais notre avis a changé. Je me suis fait biaiser un petit peu sur le coup. Que c'est grâce à Fab Building qui a sorti une vidéo. Mais on le pensait déjà qu'en revenant et tout, on a réfléchi, on s'est posé, on a dit quand même énorme sur les vidéos comparé à nous. C'est bizarre. Voilà. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'on était content d'être trop à Arcachon. C'était notre premier feat. À deux. À deux, c'est vrai. Deux, ouais. Parce qu'on l'avait vu sur l'image juste avant, mais à deux, c'était notre premier feat. Et on était content. Voyage et tout. C'était un beau voyage. Je me suis régalé. Bien accueilli. Il est super drôle et tout ce que vous voulez. Mais pour moi, il touche. Il est pas honnête. Il n'a pas photo. Il n'a pas été honnête là-dessus, en tout cas. Et, ça, et c'est triste parce que ça fait des années. Et en plus, il bave sur les autres. Cal, on est un peu débouté, tu vois. Si ce n'est pas le cas, moi, j'ai essayé de t'en parler sur Instagram. N'hésite pas à revenir vers moi parce que tu m'as envoyé un peu balader quand je t'ai envoyé la vidéo de Fab. Mais nous, on pense que tu es dedans maintenant. Après, il fait ce qu'il veut. Après, il fait ce qu'il veut. Mais... Hier, il a déjà fait des compètes, il va en refaire. Ouais, mais moi, j'aime pas les gens qui sont. Mais il faut le dire. Voilà, qui sont dedans. Tu dis pas, je suis Nati. Voilà. Bref. Moi, je suis Nati. Kylian Hagan. Performance de malade mental. Ouais, mais je le pense Nati. Je pense qu'il est Nati. Mais en lui, fait, ce qui c'est me met dur, le doute, non, lui, ce qui me met le doute, c'est qu'il part d'une base très skinny. Très, très skinny. Alors, moi, je pense que c'est un super coach. Moi, j'ai un doute. Il a su. Je suis pas sûr, j'ai juste un doute. Et il se donne à 100% sur chaque séance. Moi, j'ai juste un doute. Sa diète, elle est millimétrée, c'est l'élève de Rudy Koya, pour moi, je pense. Ouais, t'as le droit. Je m'avance pas, j'ai juste un doute. Moi, je dis Nati. Peut-être prédisposé à être très puissant aussi. Oh, t'as vu ses os. Ça va rien dire, j'ai des gros os, mais frère, dans son corps. C'est tout. T'as 4-5, moi, je suis à 3. Lucas Griff, Nati, je pense. Nati. En plus, on en a parlé avec Basilia, qui l'avait 100%. Rencontré. Il nous l'a confirmé, donc on fait confiance. Même en compète, le mec était shred, mais il était maigre. Tout maigrichon. Mais bien, tu vois. Ah oui, mais maigrichon. En gros, tu le mets dans un t-shirt, il disparaît. Il aime bien le bug. Il veut pas s'arrêter de bug parce que ça lui permet d'aller au McDo tous les jours, ce bâtard. Et ça sert à quoi d'être en t-shirt et d'avoir l'air d'un lambda? Quel est l'intérêt? T'es en t-shirt, on dirait Alex Levent. Est-ce que le logo FF qui ressort là, mais gros pec, je suis en t-shirt, je suis maigre, mais on voit quand même que le pec là, il pousse sur le logo. Donc n'hésitez pas à acheter ce magnifique. Lucas Griff Nati. Frank Roper. Il y a une dent. Tu l'as vu physiquement? Il est vieux, hein. En tout cas, c'est un escroc, lui. Je pense que pour son biz, il serait prêt à tout. En vrai, inintéressant. À son âge. Ça, à son âge. C'est peut-être possible. Il a 60 ans, réveille-toi. Ton daron, tu le vois être comme ça, toi? Non, mais mon daron, il fait pas de la musique, frère. Non, pas 60 balles, gros. Faut se réveiller. Gros, il a toujours été sportif. Il fait. Il sait pas s'entraîner, frère. Il fait des séries uniques. Ouais, non, il y est dedans. Il a toujours été sportif. Ma mère, la pute, il est pas dedans. Moi, je dis, il est pas dedans. Il est dedans. Et ma tante, je l'aime bien, donc. Il est dedans. Suivant, Jam Cordez, il l'a dit. Il est dedans, il l'a dit. Donc, TRT, donc considéré comme dedans. Voilà, et super shape quand il était à son top level. Excellent. Franchement, très bonne génétique. Lui,
Gros respect à lui. Nassim Saïli. Nati, bien sûr. Nati. Potentielle charge genre pour sécher pendant ses prépa, mais je pense pas. Parce que déjà qu'ils ont des doutes. Je pense pas, pour moi il est Nati. Pour moi il est Nati. Voilà, ça fait des années qu'on le regarde. Ouais, pour moi il est Nati. Il n'y a pas d'évolution depuis un long moment. Naturel, les gars. Pour moi il est Nati. Cher Fitness, il l'a touché. Il l'a dit, Yendan. Il l'a dit, donc c'est un Mac. Nathan Monzango. Il l'a dit, Yendan. Il a dit qu'il avait arrêté. Il a menti. Il a menti très fort, il a jamais arrêté. Il est vite revenu dedans. Et il avait jamais arrêté entre deux non plus. Énorme. Déjà, lui, s'il ne s'était pas piqué, c'était lui le meilleur du feed game. Il non. Gros, déjà, Nachi, non, il était... Non, parce que pour toi, il était déjà dedans quand on le regardait. Ok, bon, en tout cas, il est dedans, on est là pour vous dire ça, donc il est dedans. Très bonne symétrie, par contre. Il a bien fait de se mettre dedans parce qu'il a des insertions de malade mental. Body time, on va les prendre séparément. Nachi, les deux. Moi, je les mets ensemble, Nachi, les deux. Je suis d'accord avec toi, on les prend ensemble. Nachi, les ensemble, deux. Les deux. On les prend les how-to, les deux. Bazinga. Bazinga, Nati, on l'a vu, c'est validé chez validé, Nati. Ah, vous l'avez vu, vous avez comparé nos physiques. Je pense qu'on était assez proches. Nati. Non, mais on était assez proches au niveau des physiques. Nati, moi, c'est 100%. Ça, en fait. J'attendais de voir en vrai ce que ça donnait et on a eu la confirmation. Pour moi, il est naturel à 100%, il n'y a pas de problème. Ah, c'est sûr. Reda Mamouni. Il est dedans, il l'a dit. Il est dedans. Ouais, non. En... Ouais, si. Si, enfin... hey, gros, faut arrêter les conneries. Non, il l'a dit du genre. Il dit pas qu'il est chargé. On le sait. Il dit, les mecs, ne soyez pas bêtes. Bien sûr. Non, parce qu'il y a des gens qui le pensent encore Nati, mais il l'a dit dans certaines vidéos, ne soyez pas bêtes. En gros, il est dedans. Il dit pas je suis Nati, mais et il dit pas je suis chargé. Il fait comprendre qu'il est dedans. Mais il vous fait comprendre en vidéo, voilà. Double dragon chargé, on dit, à 300%. Mais que à mi-temps, ils ont dit un petit peu de temps en temps. Ah, ils consomment seulement du QNT, les gars. C'est voilà. Nati depuis. Nati total. Depuis toujours, pas de problème, voilà. Totalement Nati. Rob depuis 2015. Bon, ça, j'ai pas dit. Rob Transformer. Rob Transformer, dedans, il l'a dit, il l'a dit. Mais de dedans, mais seulement pour... Que le haut, il fait pas les jambes, il s'en bat les couilles. C'est pas vrai. On l'a pas vu. Il fait pas, il l'a dit, gros, il fait pas les jambes, il l'a dit, il fait pas les jambes. Il a dit, j'aime pas faire les jambes. Il ne fait pas les jambes. Bon, moi, je pense qu'il a dit, je n'aime pas faire les jambes, moi, je suis pas dit, un je ne fais pas les jambes. Pour moi, il les fait les jambes, hein. C'est juste qu'on les voit pas beaucoup. Blouson Sommet, le petit blouson, je l'aime bien, lui. Blouson Sommet, il fait plus trop partie du film, il l'a dit. Ouais, mais physiquement, c'est pas naturel. Nico Dallam. Oh, lui, les mecs. Excellent. Excellente vidéo, excellent physique, Nati, connaisseur, gros Nati, il s'entraîne super gros Nati, c'est pas un Nati, c'est un gros non, Nati, non, tu vois. Il est sous-estimé lui aussi, j'ai l'impression. Ouais, il est vraiment très sous-estimé. Les mecs, lui, on le met à côté. Très sous-côté. Je suis pas sûr. Non, on le fracasse, physique. On le fracasse. Il est sec, mais il fait un peu mince quand tu. Non, quand tu le vois à côté, en fait, je l'ai vu à côté d'autres personnes. Il est fin quand même. Il est très propre, mais il est fin quand même. On est plus massif que lui. Moi, j'aime bien ce qu'il fait sur YouTube. Excellent. C'est pas divertissant, excellent. Mais t'en apprends beaucoup et il a un super physique. Antoine Fonbonne, tiens. Nati, il n'y a pas photo. Si lui est chargé, j'arrête la muscu. Loïc Fit. Il a sa place là-dedans. 100%. Dit. C'est pour ça que je le kiffe. Et totalement transparent. Physique, bien veineux comme j'aime. Avenir, il y aura tout ça y est. Depuis sa transformation, il y en a plein qui pensent qu'il est chargé. Il est énorme, mais non, il n'y a pas dedans. Le mec, il s'est juste super bien entraîné avec l'aide d'un coach qui lui a sur fait un an, hein. Training. Sur un an. Et en plus, il s'était déjà entraîné avant, donc il y a la mémoire musculaire qui revient. Non, mais il pense que sur un an, il ne peut pas se transformer. Non, mais c'est. Les gens, ils sont bêtes. Sur un an, il faut faire des super bonnes choses. Et comme d'hab, bah, sur Finesse Fusion, on fait des programmes personnalisés sur un an. Coach, plus diète, plus motivation. Les gars, en un an, c'est fait. Nachi. Et San NFC lui, c'est logique. Lui, ouais, dedans, il est énorme. Toute la team, les gars. Tous frère. Mais après, ils font des compètes, c'est tout à fait normal. Eux, ils sont motivants. J'aime bien, moi. La qualité de vidéo sur SN, c'est n'importe quoi. Ah, les champions. Ah, les champions. Oh, c'est trop. À l'entraînement, en ce moment, il me regarde. Ah, les champions. Il dit, allez champion, tu fais 12 reps frère, ah ouais, direct, 150 kilos, c'est parti. Si je crois que je te fais des paires. Bah, allez champion. Non, non. Sam Nelson. Oh, il est dedans. Je sais pas s'il l'a dit. Oh non, il l'a peut-être pas dit, mais il est dedans. Ah, les gars, il est dedans, faut arrêter de se faire des films. Hein. Évidemment. Ok. Non, non, j'aime non. J'aime bien douter sur tout le monde. Non, il y a des limites au 12. Non, mais il y a... Non. Il y a une période, je me disais... Attends. C'est non, frère. Non, il fait dedans. 2 mètres, t'as vu comment il est massif. Ah, il est dedans. Et je crois qu'il l'a déjà dit. Ouais, il l'a dit sur les salons quand il a croisé Marvel. C'est juste ça, on n'a rien contre les chargés. Et Fitness Fusion, tiens. Hein? Moi, je dis Nati. Sauf pour Pimous. Nati. Pimous, c'est celui de droite, c'est le petit rebeçoin sur la photo. Vous voyez le blond là. Vous voyez le mec là avec les cheveux noirs là. On va le couper, ça va trop loin. Il envoie sec. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Abdel. Et Karim. Force et Fun. Et lui, il me suit dans mes conneries. C'est Didio et Pimous. Pourquoi tu me suis dans mes conneries?